toute mon œuvre a été marquée par le fleuve. Ça a nourri toute ma relation poétique avec la nature et la notion du territoire. J'ai l'impression que ma vie est un grand fleuve. C'est une identité que je me suis construit à travers les voyages, l'histoire, et en m'appropriant, en me métissant à l'histoire des autres. L'idée de se transformer et de changer, c'est une idée de mouvance, comme le fleuve. On bouge, on se déplace. C'était la perte de mon frère dans les années 50 qui s'est noyé accidentellement dans le fleuve et mon père 3 ans après qui fait que je me suis exilé volontairement au Mexique pour être loin de cette tragédie-là, être loin du fleuve. Et le Mexique, pour moi, c'était une découverte extraordinaire que l'Amérique, elle avait 3000 ans d'histoire. Et là, en découvrant l'art précolombien, j'avais l'impression que je me retrouvais des ancêtres à mon histoire de l'Amérique. Les cultures précolombiennes n'appartiennent pas au Mexique comme tel, elles appartiennent à l'histoire du patrimoine de l'humanité. En 1992 a eu lieu l'exposition Migration à Mexico et c'était une exposition d'envergure de 20 000 pièces céramiques marchant sur un territoire. C'était comme une œuvre synthèse de ma démarche, de tout ce grand voyage. Et il m'est venu l'idée que cette œuvre-là avait une place où on pouvait la déposer, c'était au fond du fleuve. Et quand j'ai largué les œuvres, les 19 000 statuettes, dans le Saint-Laurent, pour moi, c'était une énorme libération. J'ai l'impression d'avoir créé une œuvre d'art public au fond du Saint-Laurent, une œuvre collective à la mémoire de la migration de tous, à peu près, on est tous rentrés par le fleuve. C'était un geste qui est vraiment un dépôt dans la mémoire de l'histoire, des sédiments de l'histoire de l'Amérique. Je suis plus près des éléments que des frontières. Il n'y a pas de frontières dans le fleuve. Il n'y a pas de frontières dans l'arrêt. Les oiseaux vont nord-sud, comme des papillons vont au Mexique. Alors, c'est comme si j'appartenais à l'ensemble du continent et que ce fleuve-là fait partie d'une des grandes voies du continent. Un immense artiste, par le talent, immense par l'humilité. Sur ce plan, c'est ce à quoi on reconnaît les grands. Je me retourne, je regarde comme ça, c'est comme je vois l'Atlantique, je vois l'Europe et je vois le restant du monde qui vont arriver par là.